La bienvenue à tout le monde. Merci. Merci, Monsieur Nakmouche. Alors, nous remercions tout d'abord la Société algérienne des pathographies entérologiques et d'endoscopie digestive, ainsi que les laboratoires Frater Azès pour l'organisation de ce webinaire concernant la rectocolite ulcéro-hémorragique. Alors, on va commencer avec le professeur Nakmouche, puis on enchaînera avec le professeur Mathieu. Alors, il faut savoir pour les participants, qu'on remercie de leur participation, que les cas cliniques seront interactifs par le fait qu'il y aura des questions et vous pouvez répondre. Et il y aura aussi des sondages à la fin. Et les questions-réponses seront à la fin des deux communications. Donc, je pense qu'on va commencer d'emblée avec le professeur Nakmouche, avec sa conférence « Optimisation de nos stratégies thérapeutiques dans la prise en charge de la rectocolite ulcéro-hémorragique dans sa forme modérée ». À vous la parole, monsieur Nakmouche. Merci, Corti. Oui, bon, enfin, il nous a été demandé de parler de la prise en charge de la thérapeutique de la RCH. Bon, j'ai été chargé de parler des formes modérées et je pense que monsieur Mathieu va parler de la forme sévère. Et donc, en introduction, il faut savoir que le cours évolutif de la RCH est variable et comme vous le savez tous, il y a 65 à 85% des patients une maladie qui est légère, facilement contrôlée et maintenue en rémission par les aminosalicylés. Et ce sont des malades qui sont, ces malades-là sont souvent, ne posent souvent pas de problème et ils sont suivis à titre ambulatoire, souvent dans les cabinets de ville. Et il faut savoir que 15 à 25% des patients ont une maladie quand même qui est chronique active avec des symptômes gênants, persistants, qui nécessitent des hospitalisations, qui nécessitent d'autres médicaments que conventionnels ou non conventionnels. Et il faut savoir aussi que au cours de l'évolution de la RCH, 10% des patients, environ 10% peuvent présenter une colite grave, une colite grave, une poussée sévère, au cours de leur histoire. La probabilité cumulée de colectomie chez un patient avec colite gauche est de 12% à 25 ans et de 40% en cas de pancolite. Mais ça, c'est des données historiques parce qu'on a remarqué qu'au cours des 20 dernières années ou des 20 ou 30 dernières années, il y a une diminution du taux de colectomie en raison d'abord d'une meilleure connaissance de la maladie et en raison de l'avènement de thérapeutiques beaucoup plus efficaces. Il faut savoir qu'il y a un risque accru de cancer colorectal au cours de la RCH, et ce cancer colorectal est surtout dans certaines formes de pancolite qui évolue depuis au moins 8 ans, ce qui nécessite souvent chez ces patients un dépistage assez particulier. Donc le cas clinique, le cas clinique il se présente comme suit. C'est un homme, Khaled, 35 ans, non fumeur, pas de consommation de titre. Il est enseignant de profession et en décembre 2015, il se présente pour diarrhée. Il fait de 3 à 4 selles par jour, glaire sanglante, évoluant depuis 4 semaines avec des douleurs abdominale, modérée, à titre de crampe, ténèse, il n'y a pas de fièvre, taux d'hémoglobine est à 13 grammes pour cent, il n'y a pas d'hyperleucocytose, les leucocytes sont à 9000, taux de plaquettes est à 280 000, taux de CRP pratiquement normal à 5 mg par litre. Nous avons réalisé une coproculture, une parasitologie des selles à la recherche d'une infection, ces examens étaient négatifs. Donc, une colonoscopie a été réalisée qui retrouve une pancolite ulcérée, modérée. Il n'y a pas de lésion sévère endoscopique et la muqueuse iliale était normale. Sur le plan histologique aussi, il y a des lésions, des signes d'inflammation muqueuse chronique. Il y a une modification bilositaire en surface, une distorsion de l'architecture glandulaire et une abrasion épithéliale. Donc, en somme, il n'y a pas de lésion sévère. Donc, vous avez tous retenu le diagnostic de RCH qui est quand même évident. Il s'agit d'une forme pancolique modérée avec un score Mayo à 6. Nous avons soumis ce patient à un traitement par mésalazine
5 ASA oral, 4 grammes par jour de façon progressive. Et 4 semaines après, le malade revient, ne constatant pas une amélioration spectaculaire, une amélioration très minime des symptômes, présente toujours de 2 à 3 selles par jour avec du sang, pas de douleur abdominale et le patient n'est pas satisfait. Alors, première question, donc c'est un malade qui a une poncolite modérée, pas de lésion sévère sur le plan endoscopique, c'est un score Mayo à 6. Il a été soumis à un traitement par mésalazine orale à dose totale pendant 4 semaines et il y a un échec thérapeutique. Alors, la première question, est-ce qu'il faut à ce moment-là commencer une corticothérapie? Est-ce qu'il faut débuter un traitement immunosuppresseur, prescrire un traitement biologique ou rajouter de la mésalazine topique? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Ils ont à peu près 20 secondes pour répondre, Monsieur Nekmouche. Très bien, très bien. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il faut commencer chez ce malade-là ou qui a une forme modérée pancolitique de RCH? Je rappelle un score Mayo à 6 et qui résiste à la mésalazine par voie orale à dose totale pendant 4 semaines. Corticoïde, est-ce qu'il faut débuter une corticothérapie, l'azathioprine, prescrire un traitement biologique ou rajouter de la mésalazine par voie topique? Alors, Monsieur Nekmouche, les réponses, le sondage des réponses, nous avons 45% des participants qui ont voté pour 1, pour A, pour la réponse A, et 40% qui ont répondu pour la réponse D. Donc, vous avez à peu près 45-40%, 45 pour le A et 40 pour la réponse D. Très bien. Très bien. Donc, effectivement, les réponses sont partagées, mais je pense que, bon, je n'arrive pas à faire passer, j'arrive pas à faire passer mes plaques, hein. Allô? Sélectionnez votre slide. Il faut juste cliquer dessus. Alors, voilà, donc nous avons choisi de rajouter de la mésalazine en topique. Et donc, effectivement, dans ces cas, les objectifs thérapeutiques, il faut savoir que, avant de continuer, il faut savoir que les objectifs thérapeutiques au cours de la RCH ont véritablement changé. Avant, bien sûr, on cherchait la rémission clinique, mais actuellement, on cherche essentiellement, bien sûr, la rémission clinique, mais à réduire l'utilisation des corticoïdes, à diminuer les hospitalisations, réduire le taux de colectomie et prévenir le cancer. Ces nouveaux objectifs sont en rapport avec l'avènement des nouvelles thérapeutiques. Et donc, les médicaments de la RCH qui sont disponibles actuellement, les médicaments qui sont utilisés pour induire une rémission, sont essentiellement la mésalazine, les corticoïdes, cyclosporine, les anti-TNF et le vedolizumab dans les cas rebelles ou sévères. Les médicaments qui sont utilisés comme traitement de fond pour maintenir une rémission sont essentiellement les 5-ASA, les thiopurines, les anti-TNF et le vedo. Il faut savoir que chez nous, en Algérie, nous avons essentiellement comme traitement, bien sûr, 5-ASA, corticoïdes. Parmi les anti-TNF, nous avons essentiellement deux anti-TNF, infliximab et adalimumab. Nous ne disposons pas encore du vedolizumab. Alors, il faut savoir que les indications thérapeutiques de la RCH sont en fonction de plusieurs facteurs. D'abord, l'étendue de l'atteinte colique. On ne traite pas une proctite comme on traite une colite gauche ou une colite étendue. Ils dépendent aussi de la sévérité de la poussée, qui est évaluée essentiellement par la classification de Trullowitz, qui est un score clinico-biologique. Il y a aussi le Mayo score, qui est aussi un score clinico-endoscopique, et là, qui est très utilisé. Quand le score Mayo est inférieur ou égal à 2, la maladie est inactive. Entre 3 et 5 points, l'activité est faible. Entre 6 et 10 points, l'activité est modérée. Entre 12 et plus de 10, l'activité est sévère. Il faut savoir aussi que l'indication d'un traitement au cours de la RCH est fonction aussi de la fréquence des rechutes, de la réponse et de la tolérance aux médicaments qui sont utilisés,
La présence ou non de manifestations extradigestives et bien sûr le choix du patient. Alors, selon les recommandations ECHO, dans les formes modérées de colite ulcéreuse, il est préconisé de commencer un traitement par aminosalicylé, par voie topique, combiné à la voie orale. Et en cas d'échec, c'est en cas d'échec de cette combinaison qu'on peut éventuellement commencer un traitement corticoïde. Et c'est en cas d'échec des traitements corticoïdes qu'on peut éventuellement avancer ou escalader, si vous voulez, l'échelle du traitement et aller passer à autre chose. Et donc, je vous rapporte ce travail qui a été rapporté par Marteau, et qui a montré de façon claire que la combinaison mésalazine orale et mésalazine rectale était supérieure à la mésalazine orale. Et comme vous voyez, la différence est quand même statistiquement significative. Dans un travail qui a été rapporté par nos amis suisses, sur 800 patients, une cohorte de 800 patients, il a été montré que le traitement topique était utilisé chez 31% des patients avec proctite et seulement 13% des patients avec pancolite. Il faut savoir qu'il y a aussi le problème de la question de savoir comment il faut optimiser le traitement par mésalazine. Bien sûr, il y a le premier problème, c'est l'adhérence au traitement, qui est important, c'est l'observance, et qui dépend aussi de plusieurs facteurs. Cette adhérence dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est d'abord qui concerne la maladie, le malade, mais le facteur le plus important, c'est la relation médecin-malade. Et donc, le médecin doit impérativement faire comprendre au patient de l'utilité qu'il y ait une bonne observance au traitement pour arriver à une certaine efficacité. Bien sûr, en dehors de l'adhérence, il faut arriver à des doses maximales de 5 ASA. On peut aussi combiner pour maximaliser le traitement par mésalazine. On peut combiner la voie orale et la voie rectale. Ça donne mieux, vous l'avez vu. Et bien sûr, avant de déclarer que la mésalazine est inefficace, il faut bien sûr une certaine durée de traitement, au moins 4 à 6 semaines. Donc, il faut augmenter la durée du traitement, au moins 4 semaines. Et donc, nous avons, chez notre malade, nous avons associé de la mésalazine orale à la mésalazine rectale. Après 4 semaines, il n'y a pas eu quand même d'amélioration des symptômes, persistance du syndrome rectal, altération de la qualité de vie puisque le patient n'arrivait même pas à aller correctement à son travail, plusieurs arrêts de travail successifs. Et c'est à ce moment-là que nous avons soumis, donc nous avons déclaré l'inefficacité de la mésalazine, même en combinaison orale et rectale. Et nous avons soumis le malade à un traitement par corticoïde, 1 mg kilo plus quand même, nous avons gardé la mésalazine par voie rectale, qui avait entraîné une rémission clinique. Et au cours de l'évolution, nous avons constaté une courte codépendance lors de la diminution des doses des corticoïdes qui nous a amené à associer ou à utiliser de une thiopurine, l'azathioprine, à raison de 2,5 mg par kilo par jour, ce qui avait entraîné après quelques semaines une rémission totale sans corticoïdes. Donc, 6 mois plus tard, le patient revient en consultation avec des symptômes, alors qu'il était totalement asymptomatique pendant plusieurs mois. Le patient revient avec 4 à 5 selles, glérosanglantes, des douleurs abdominales, un syndrome rectal fait de ténèbres, des épreintes. Il n'y a pas de fièvre ni de manifestation extra-intestinale. Le bilan biologique, taux d'hémoglobine à 12,5. Pas d'hyperleucocytose, une thrombocytose quand même, 540 000 par millimètre cube. Taux de CRP à 2 chiffres, mais quand même modéré, 12 mg par litre. Et un taux d'albumine pratiquement normal, 32 g par litre. Le score Mayo calculé était à 9 avec un sous-score endoscopique à 3, qui sous-entend quand même une aggravation des lésions endoscopiques. Nous avons essayé d'expliquer cette symptomatologie par la recherche d'une infection bactérienne ou virale, bactérienne ou parasitaire, par des examens microbiologiques des selles qui étaient négatifs, l'histologie n'a pas retrouvé d'inclusion virale ou biopsie. Alors, à ce moment-là,
quelle est votre conduite thérapeutique? Donc, c'est un malade qui a une forme modérée peau colique de RCH, qui a été soumis à un traitement par corticoïdes, par mésalazine orale et rectale, et une corticothérapie avec immunosuppresseur qui a donné de l'effet pendant quelques mois. Puis il y a eu récidive des symptômes avec une légère aggravation des lésions endoscopiques. Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'il faut donc remettre le malade, aller sur une nouvelle cure de corticoïdes, ou est-ce qu'il faut associer encore de la mésalazine topique et orale? Est-ce qu'il faut commencer un anti-TNF seul? Est-ce que cet anti-TNF peut être débuté avec en combothérapie, ou est-ce qu'il faut confier le malade en chirurgie? Alors, à vos boîtiers, voilà, oui. Vous avez 20 secondes pour répondre. Alors, Monsieur Nekmouche, oui. Les réponses, le sondage. Oui, les réponses, oui, les réponses, on voit nettement que la combothérapie, anti-TNF en combothérapie, est la réponse la plus fréquente, 45%, c'est vrai, je pense que c'est la réponse la plus correcte, la plus logique. Et donc, nous avons quand même soumis, Ah, voilà. Donc, nous avons soumis notre patient à une combothérapie anti-TNF avec azathioprine. Et donc, avant de continuer, il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque d'une évolution sévère d'une RCH. Ces facteurs de risque sont actuellement relativement bien connus et qui sont représentés essentiellement par l'âge jeune au diagnostic, moins de 40 ans, un traitement corticoïde au diagnostic qui sous-entend déjà une maladie sévère, une colite étendue qui est aussi considérée comme une maladie qui peut évoluer de façon assez particulière, une hospitalisation au moment du diagnostic et les marqueurs biologiques de l'inflammation, CRP, calprotectine, et aussi l'hypoalbuminémie qui peut être un facteur de résistance au traitement. Et ça a été prouvé notamment avec les anti-TNF. Les recommandations écho dans ce cas précis recommandent chez les patients qui ont une colite ulcéreuse réfractaire au traitement conventionnel, notamment corticoïdes, thiopurine, etc., que ces patients peuvent être traités par les anti-TNF, préférentiellement combinés au thiopurine ou bien le vedolizumab. En cas d'échec des anti-TNF, on peut éventuellement discuter une colectomie. Donc, notre malade a été soumis à un traitement anti-TNF, mais auparavant, nous avons quand même réalisé un bilan que nous faisons avant la mise en route d'un traitement anti-TNF, et notamment, bien sûr, la recherche de la tuberculose, qu'elle soit patente ou latente. Chez ce patient, il n'y avait pas de tuberculose patente, mais nous avons retrouvé quand même une tuberculose latente. Derrière, la tuberculose était positive et un test de quantifiant était positif. Et nous avons soumis notre patient sous isoniazide pendant 3 semaines. Ça, c'est nos recommandations nationales. Nous avons quand même, entre-temps, mis le malade sous corticoïde en raison de la sévérité des symptômes. Et donc, nous avons soumis notre patient à un traitement anti-TNF. Nous avons choisi l'adalimumab. On aurait pu aussi choisir l'infliximab. Adalimumab 160 mg S0, 80 mg S2 et 40 mg toutes les 2 semaines. Et déjà à 4 semaines, le patient déjà présentait il y avait quand même une amélioration, 1 à 2 cl par jour. Il n'y avait pas de sang, ni syndrome rectal, bonne tolérance au traitement et une adhérence au traitement. Et l'azathioprine a été arrêtée au bout de 6 mois. C'était les recommandations de l'époque.
Et donc, le malade était bien pendant pratiquement presque une année, plus d'une année. Et 14 mois plus tard, le malade revient avec une symptomatologie représentée par 3 à 4 selles verosanglantes, des douleurs abdominales, pas de fièvre, un taux de CRP à 15 mg, un taux d'hémoglobine donc à 10,5 grammes pour cent, ça a chuté de 2 unités, et un taux de leucocyte à 6 000. Donc, nous avons, devant cette symptomatologie, nous avons suspecté chez notre patient une perte de réponse à l'entité, à l'adalimumab. Alors, une perte de réponse aux entités NF, il faut savoir que actuellement on sait qu'elle survient chez 50% des patients à un an. Et donc, que décidez-vous devant un tel tableau clinique? Est-ce qu'il faut réduire l'intervalle des prises d'entités NF pour augmenter la dose? Est-ce qu'il faut rajouter un immunomodulateur? Est-ce qu'il faut switcher vers un autre entité NF ou bien changer de classe thérapeutique? Je vous laisse répondre. Alors voilà les réponses, monsieur Nekmouche. À Oui, peu je près vois. 47% Très ont bien. répondu à la Oui, réponse A. la réponse A, oui, effectivement, je pense que c'est la réponse la plus logique. Mais avant, je pense qu'il faut quand même préciser certaines choses. Que faire en pratique? D'abord, devant un patient qui a été soumis à un traitement anti-TNF, en combothérapie et qui, au bout de quelques mois, après une certaine efficacité de quelques mois, présente des symptômes, que faire en pratique? Avant de déclarer la perte de réponse, bien sûr, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a une bonne adhérence au traitement? Est-ce que le traitement a été bien administré? Est-ce qu'il y a une bonne observance, etc. Et donc, bien sûr, ça dépend, dans ce cas précis, ça dépend de plusieurs facteurs, des facteurs qui sont liés au malade, à la maladie et bien sûr à la relation médecin-patient. Et il faut savoir que plusieurs facteurs de non-observance au traitement ont été rapportés. Notamment, il faut savoir que les patients qui ont moins de 40 ans sont considérés comme des patients moins observants que les patients qui ont plus de 40 ans. Le caractère récent au diagnostic. L'activité professionnelle aussi qui peut éventuellement interférer. Pour ce qui est de pour ce qui est de en dehors de l'anti-TNF, pour ce qui est de la mésalazine, le traitement oral est mieux observé que le traitement rectal. Et aussi parfois pour raison économique, l'adhérence au traitement peut ne pas être bien suivie. Donc ça, c'est la première question à laquelle il faut poser avant. À laquelle il faut répondre avant éventuellement de suspecter une perte de réponse. Bien sûr, devant une telle symptomatologie, il faut faire une évaluation de l'activité de la maladie, bien étudier les symptômes, étudier les marqueurs biologiques de l'inflammation, hein, doser la CRP, la calprotectine si c'est possible, et bien sûr faire une évaluation endoscopique à la recherche pour étudier les lésions endoscopiques et voir s'il y a aggravation ou non des lésions. Et bien sûr, exclure toute autre maladie qui peut éventuellement être à l'origine d'une telle symptomatologie, notamment une infection, un syndrome de Tessier irritable qui peut en pousser, qui peut aussi être à l'origine de l'apparition de symptômes, et bien sûr, un cancer colique. Faut savoir que le taux sérique d'anti-TNF dépend aussi de plusieurs facteurs. Le premier des facteurs et le plus connu, c'est l'apparition d'anticorps anti-drogue. L'apparition de ces facteurs va être à l'origine d'une inefficacité, une réduction de l'efficacité des anti-TNF. La masse corporelle aussi, qui peut aussi être, quand le malade a une masse corporelle importante, les anti-TNF peuvent être éventuellement sous-dosés. Donc, le traitement peut ne pas être efficace.
augmentation de la dégradation durant l'inflammation, l'usage ou non des immunomodulateurs qui peuvent éventuellement influer sur le taux sérique des anti-TNF, la perte des anti-TNF au niveau des selles, et bien sûr, le taux d'albumine sérique qui peut aussi influer, notamment quand il y a une hypoalbuminémie, l'efficacité des anti-TNF peut être réduite. Comment restaurer la réponse au traitement? Donc, bien sûr, toujours dans le même cadre, bien sûr, il faut justement essayer au maximum de prévenir cette perte de réponse aux anti-TNF par la prévention. Bien sûr, le traitement doit être administré à la bonne dose, de façon régulière et en combothérapie. On peut restaurer après la réponse au traitement anti-TNF par une optimisation en augmentant les doses, en raccourcissant l'intervalle, ou bien on peut aussi faire les deux. Rajouter une chopurine si les anti-TNF ont été utilisés en monothérapie, c'est ce qu'on faisait au début avec l'adalimumab. Mais actuellement, on sait que même avec l'adalimumab, on peut aussi associer, il faut associer un immunosuppresseur parce que l'adalimumab peut aussi, on peut développer les anticorps antidrogue avec l'adalimumab, avec l'humura. Changer d'anti-TNF, changer de classe thérapeutique, ou bien une autre, c'est donner une petite cure de corticoïdes qui peut aussi aider la restauration de la réponse aux anti-TNF. Ça, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de données, pas beaucoup de données dans la littérature internationale, mais c'est quelque chose qui quand même se fait actuellement. Alors là, vous voyez un algorithme concernant l'optimisation des la stratégie en cas de perte de réponse aux anti-TNF. Bien sûr, quand vous avez un patient sous anti-TNF et qui se présente avec des symptômes ou suggérant une perte de réponse, il faut bien sûr confirmer l'activité de la maladie. Par, bien sûr, une bonne description des symptômes, un bon bilan biologique, notamment un bilan inflammatoire, faire une évaluation endoscopique et bien sûr, si c'est possible, faire un monitoring des drogues. Si la maladie n'est pas active, si la maladie n'est pas active, donc les symptômes peuvent éventuellement être en rapport avec d'autres maladies, notamment infections, cancers ou autre chose. Si la maladie est active, si la maladie, la colite inflammatoire est en activité, à ce moment-là, il faut doser les drogues. Si c'est possible, je dis, parce que chez nous, c'est vrai que c'est pas disponible partout. Si le taux d'anti-TNF sanguin est un taux efficace, il n'y a pas d'anticorps, à ce moment-là, on peut éventuellement, il faut déclarer l'échec, l'inefficacité des anti-TNF et changer carrément de classe thérapeutique. Si le taux d'anti-TNF est un taux qui n'est pas efficace, et que les anticorps ne sont pas élevés au niveau du sang, à ce moment-là, au niveau sanguin, à ce moment-là, il faut augmenter la dose d'anti-TNF. En cas de présence d'anticorps, avec un taux d'anti-TNF qui est bas au niveau sérique, à ce moment-là, il faut, les anti-TNF ont été utilisés en monothérapie, il faut rajouter un immunosuppresseur, ou bien switcher vers un autre anti-TNF. Donc, on revient à notre patient, notre malade, dont nous avons optimisé, dont nous avons raccourci le délai, donc 40 mg toutes les semaines. À 2 semaines, notre patient, Khaled, fait 2 à 3 selles, il n'y a pas de sang, ni glaire, pas de douleur abdominale. À 6 semaines, il y a une rémission clinique complète, un taux de CRP qui s'est normalisé, taux d'hémoglobine aussi. À 26 semaines, le malade décrit une qualité de vie normale, pas de diarrhée, pas d'absence à son travail et nous avons réalisé une endoscopie, une sigmoïdoscopie et le score Mayo était à 0, vous voyez ici l'image. Donc, il est toujours opportun de, en parlant de stratégie de la prise en charge thérapeutique de la RCH, de parler des recommandations STRIDE. Les recommandations STRIDE, comme vous le savez certainement,
ils ont le mérite de redéfinir les objectifs, les objectifs de la prise en charge thérapeutique de la RCH en centrant l'élément principal qui est la cicatrisation endoscopique. Donc essentiellement, l'objectif principal, c'est, selon la recommandation Stride, c'est arriver à une cicatrisation endoscopique des lésions. Et donc, selon les recommandations Stride, la rémission endoscopique est définie par l'absence de sang au niveau des selles, la normalisation de la fréquence des selles et le contrôle clinique doit se faire au minimum tous les 3 mois. Et concernant la rémission endoscopique, selon les recommandations Stride, la rémission endoscopique est définie par un score Mayo à 0 ou 1, et que le contrôle endoscopique doit se faire 3 à 6 mois après le début du traitement. Et ce qui est intéressant, c'est que les biomarqueurs, selon la recommandation Stride, les biomarqueurs ne constituent pas un objectif thérapeutique. De même que la cicatrisation histologique ne constitue pas aussi un objectif thérapeutique. Nous avons essayé, là vous voyez une plaque que j'ai rajoutée, c'est un travail que nous avons fait à Alger. Nous avons essayé de rechercher la concordance entre la rémission clinique, la cicatrisation muqueuse et la rémission histologique dans une cohorte prospective algéroise. Il s'agit en réalité, c'était des malades qui étaient suivis pour qui présentaient une RCH en rémission clinique, qui étaient enrôlés dans un programme de dépistage de cancer colorectal. Et comme vous voyez ici sur cette plaque, il n'y a pas de concordance entre la rémission clinique, la rémission endoscopique et la rémission histologique. Et là, je pense que je vous apprends rien, c'est quelque chose qui est actuellement bien connu. Donc, je termine ma présentation en disant que le traitement de la RCH, il faut savoir qu'il doit être adapté à chaque patient. Il faut pratiquement, on peut dire qu'actuellement, on parle même de traitement traitement qui peut éventuellement être adapté à chaque patient. Il faut utiliser le bon médicament, à la bonne dose, la forme adaptée, chez le bon patient, au bon moment. Donc, pour dire un peu que chaque patient peut éventuellement avoir un traitement adapté à lui. Dans la RCH minime à modérée, les 5 ASA, comme vous l'avez certainement vu et vous le savez aussi, je pense que vous le savez très bien, les 5 ASA sont le traitement de choix pour l'induction et le maintien de la rémission. Mais là, je parle uniquement des formes minimes à modérées et je vous remercie. Merci, professeur Nekmouche, pour cette excellente communication. Alors, je dois rappeler aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions aux conférenciers au niveau de la case Q et S, c'est-à-dire questions et réponses, et on aura les réponses à la fin de la deuxième conférence qui va être animée par le professeur Nicolas Mathieu. À toi, Mathieu. Nicolas. J'y suis, j'arrive. Voilà. Bonsoir à tous. Je suis absolument ravi d'être avec vous ce soir. On s'est vu au début du Covid. Pour moi, en France, pour vous aussi, on se voit au déconfinement et j'en suis absolument ravi. Je voulais, voici mes liens d'intérêt que vous connaissez maintenant. Je voulais vous remercier vivement de nouveau pour les échanges qu'on a ensemble. Et puis, je fais un gros bisou au professeur Delvis. Voilà. Alors, revenons à Khaled, qui est ce jeune homme dont M. Nekmouche vous a parlé excellemment bien dans cette première très, très bonne présentation, qui a 35 ans, qui ne fume pas, qui est enseignant, chez qui on a diagnostiqué une rectocolite hémorragique pancolitique, qui
n'a pas eu de chance parce que la combothérapie, et là vous voyez 40% d'entre vous a dit que c'était juste une monothérapie 5 hasards, on y reviendra dans les questions-réponses, mais la combothérapie orale et locale n'a pas marché pour les 5 hasards, l'azathioprine n'a pas marché, et puis après on a fait un anti-TNF. La question qu'on pourrait se poser, avant même de commencer, c'est pourquoi est-ce que M. Nakhmouch a fait tel anti-TNF? Est-ce qu'on a des données sur ça pour faire l'un par rapport à l'autre? Parce qu'on n'a pas encore d'essai face-face entre, par exemple, adalimumab et infliximab. Donc, il faut biaiser. Et biaiser, c'est faire ce qu'on appelle en anglais les network meta-analysis, les méta-analyses en réseau. Et je vous embête avec ça parce que dans les prochaines présentations, quand vous irez dans les congrès éventuellement, même je vous recommande d'aller jeter un petit coup d'œil si vous avez le temps au IGFOD, eh ben on va vous parler du sucra, ici là. Le sucra, c'est quoi? C'est la surface sous la courbe cumulée de classement. C'est un peu compliqué finalement, la surface sous la courbe cumulée de classement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un artifice du théorème de Bayes, que nous avions pour ma part appris au baccalauréat, pour estimer les probabilités de rang cumulé par rapport à une intervention idéale, par rapport ici à un traitement idéal. Le traitement idéal, vous voyez, tout en dessous, il est à 1. Donc plus vous êtes proche de 1, plus vous êtes proche du traitement idéal. Plus vous êtes proche de 0, plus c'est mauvais. Entre les deux, la statistique ne nous permet pas de nous aider. Et donc, voilà que cette année, publiée dans une très bonne revue de cliniciens, on a une méta-analyse en réseau sur les sucras, de différentes possibilités de vraie vie, mais également de recherche, pour la rectocolite hémorragique, et c'est exactement le cas de M. Nakhmouch. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que avec tous les biais inhérents à une méta-analyse, on essaie quand même, par des scores de propension, que les études soient le plus proches possible. Mais par exemple, là, on n'a pas dosé pour tout le monde les marqueurs, d'infliximab, d'adalimumab, les anticorps. Mais avec cette méta-analyse en réseau, on a ce qu'on a. Hein. Ce qui sort en premier, c'est l'infliximab et le vedolizumab. Ça ne veut pas dire du tout, comme je vous l'ai dit, que l'adalimumab qui se retrouve au milieu, n'est pas le bon traitement à faire. Ça veut dire que dans une méta-analyse en réseau, eh ben, le vedolizumab, en France, le laboratoire qui le sponsorise, si je puis dire, est en train d'essayer d'accéder, comme aux États-Unis, à la première ligne. Voilà ce dont on dispose pour le moment dans la recherche. Et les États-Unis disent donc, ben voilà, chez quelqu'un de naïf en biologique, nous, aux États-Unis, on suggère l'infliximab ou le vedolizumab plus que l'adalimumab. Évidemment, évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Et quand je visualise Khaled, je fais comme M. Nakhmouch. Je le mets sous adalimumab. Toujours est-il que voilà que sous un anti-TNF alpha, il perd sa réponse, on l'optimise, il perd sa réponse, on peut céder des dosages et on fait un autre anti-TNF alpha. Très bien. Voilà notre patient qui est sous anti-TNF-alpha et de nouveau, il se passe quelque chose. Là, il est à 6 selles liquides sanglantes par jour et il perd 3 kilos. Vous voyez, il y a du temps qui s'est passé. Hein. On est en mars 2017. Donc là, comme on nous a dit, il allait bien. Hein. Boum! Perd 3 kilos, il a mal en bas à gauche. Il n'a pas de fièvre, mais là, la CRP, elle monte. L'albumine n'est pas parfaite. Et vous lui faites une rectosigmoïdoscopie qui remontre des ulcérations dans le rectum, dans le sigmoïde. Sauf que là, en clinicien astucieux que vous êtes, systématiquement, il y a une poussée. Et comme on vous l'a dit, vous cherchez du clostridium et c'est positif. Alors, moi, je vais avoir trois questions pour vous. Voici la première. En Algérie, ou même en théorie, si vous aviez accès à tout, qu'est-ce que vous faites?
Voilà un patient qui allait super bien. Sa vie a changé. Et boum, ça redémarre. Il a du clostridium. Est-ce que vous faites du métronidazole? Est-ce que vous faites de la vancomycine? Est-ce que vous faites de la fidaxomicine? Peut-être vous laisser voter. Après, on discutera, hein, ça peut être en théorie, ou selon la possibilité d'accès, ce que vous avez. 20 secondes, donc. Oui. Donc, je vois la réponse. Je vois que plus de la moitié d'entre vous, en fonction de vos disponibilités, vous dites on fait du métronidazole. Et quand même, il y a une quarantaine de pourcents d'entre vous qui font de la vancomycine et 4% qui disent bah, moi, je fais de la fidaxomicine. Alors, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Il y a des recommandations depuis 3 ans qui nous viennent des États-Unis, qui ont été validées par nos infectiologues européens. Après, je vous dis, je finis mon topo et on discute volontiers. Qui nous disent finalement, quand il y a du clostridium dans une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la question c'est, est-ce que le côlon va être opéré ou pas? Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que vous avez un agenda dangereux, mise en danger du côlon du patient? C'est à droite. Est-ce que c'est du clostridium difficile infection, CDI, sévère? C'est quoi sévère? C'est très simple. Le malade ne va pas bien. Le malade a une sale tête, comme m'a dit l'une de mes internes il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que le malade, vous ne le voyez peut-être pas dans un service ou dans un hôpital de jour. Il est aux soins intensifs, ou alors il est dans l'unité, dans votre service, ou alors il est en consultation et vous lui prenez la tension et il a une sale tête, quoi. Il est hypotendu, il a plus de 38,5, son ventre est distendu, à savoir que les toxines ont grignoté la muqueuse, la sous-muqueuse et sont dans la musculeuse. Donc, colectasie, c'est pas bon ça. Il est confus, tout ça c'est du sepsis. Les globules blancs à 35 000, de toute façon, vous êtes très inquiet, vous êtes d'accord? Ou alors, il n'y a plus de globules blancs, l'inverse. Ou alors, des lactates, parce que ça commence à s'ischémier et à souffrir. Quand on est dans une situation comme ça, les recommandations internationales sont de faire les deux et les deux voies, j'allais dire même les trois voies. C'est-à-dire que quand le malade est dans cette situation-là, il risque de ne plus avoir de côlon ou de mourir. C'est encore une cause de décès, le clostridium difficile. Moi, en 13 ans, j'ai perdu un malade. Vous pourrez vous en parler si vous voulez. Donc, on le met sous métronidazole IV. Et vous avez vu que c'est 500 mg toutes les 6 heures. On lui donne de la vancomycine perros. Et vous avez vu que c'est 500 mg toutes les 6 heures. Recommandation internationale. Ils mettent où de la vancomycine rectale? Moi, je pense que c'est tellement grave. Mon avis, c'est et de la vancomycine rectale. Et c'est comme en haut, par la bouche. C'est 500 dans 500 ml d'eau. Toutes les 6 heures, évidemment, vous appelez le chirurgien. Et si ça vrille, ça vrille rapidement. Et Dieu merci, maintenant, si vous avez un bon chirurgien expert avec un malade qui est complètement distendu, il vomit sa vancomycine orale, il ne tolère pas les lavements tellement il va mal, on voit que la prise en charge a changé et qu'on essaie de ne pas faire de colectomie, vous branchez en iléostomie, des compressions, et vous faites le lavement par l'iléostomie. Et vous parvenez parfois à sauver le côlon. Mais ce n'est pas le cas de Khaled. Khaled, il est là. Et il y a une demi-douzaine d'années, on était tous d'accord, on mettait du métronidazole dans une ITI non sévère. Les derniers papiers nous disent qu'il ne faut pas le faire, parce que vous perdez un delta d'environ 20% d'efficacité si vous donnez que du métronidazole. J'entends bien qu'il y a l'écologie de chaque centre, de chaque clinique chez vous, et je comprends ça tout à fait, je vous donne juste la reco. C'est que le métronidazole disparaît ici, en péros, et que les 40% de personnes qui font de la vancomycine ont raison, si on se base sur ces recommandations. C'est 125 mg toutes les 6 heures. Mais
les infectiologues ont dit on peut aussi donner de la fidaxomicine, qui est le troisième et nouvel antibiotique, 200 mg deux fois par jour. Si on veut aller plus loin dans la discussion et dire lequel des deux, quand il y a une maladie inflammatoire qui fait du clostridium, sachez que la fidaxomicine marche hyper bien, j'allais dire hyper mieux, chez les gens qui ont eu cures d'antibiotiques pour d'autres choses à répétition. Donc la fidaxomicine, c'est une discussion théorique, marche mieux là, et chez le patient âgé. Le patient très senior, qui c'est pas 60 ans là, hein, c'est plus de 75 ans, la fidaxomicine marche mieux. Cas particulier. Mais en tout cas, Khaled, là, avec M. Nakhmouche, on sait que ça ne va pas bien se passer. Il a fait du clostridium. Et le clostridium, dysbiose. Dysbiose, donc, un événement délétère. Et là, peut-être qu'on va courir après. Et si on disait qu'on était au début de l'histoire, quand il est avant l'anti-TNF, et que je vous disais, on traite le clostridium par de l'anti-TNF. Il y a des gens qui ont regardé ça. Voici mon premier scoop qui nous vient de DDW de cette année. Certes, un DDW dématérialisé, mais voici mon premier scoop. Voici une équipe de Cleveland qui utilise une énorme base de données avec un nombre confortable, plus de 130 000 rectocolites hémorragiques, plus de 165 000 maladies de Crohn. Belle durée de suivi. Pour faire maintenant des bases de données, je trouve ça chouette. Leur question, c'est si on donne un anti-TNF dans la rectocolite, dans la maladie de Crohn, versus pas d'anti-TNF, est-ce qu'on empêche plus le risque d'émergence d'une première poussée de clostridium ou même de récidive de clostridium? Chouette question, je trouve. Et intéressant pour le clinicien. Parce qu'indirectement, on se dit oh là là, d'abord, je traite le clostridium et surtout pas d'anti-TNF. J'attends la fin du traitement. Peut-être je vais me donner encore un petit peu de temps avant de donner l'anti-TNF. Question pratique, messieurs, dames. Résultat. En bleu, c'est la rectocolite hémorragique. Donc, en tout cas, dans la rectocolite hémorragique, le fait de donner un anti-TNF-alpha prévient, ou en tout cas dans cette étude semble prévenir, de l'apparition d'une première poussée ou d'autres poussées de clostridium. On peut modéliser ici, je ne vous demande pas de retenir, ce sera à redocumenter par d'autres équipes, mais c'est significatif et ça passe fort dans la rectocolite hémorragique. Par quel moyen? Bah, peut-être que l'anti-TNF, ça aide à la cicatrisation endoscopique, et étant dans la cicatrisation endoscopique, bah, vous voyez moins l'émergence de clostridium et de fausses membranes. Ou peut-être qu'il y a des données sur anti-TNF-alpha et dysbiose. Très intéressant. Message, vous avez du clostridium, vous mettez votre antibiotique, mais vous traitez. Même si j'entends bien, c'est un message peut-être indirect, mais qui pour un clinicien est très important à mon sens. Khaled, la décision, c'est de le mettre sous vancomycine 125 mg x 4 par jour pendant 10 jours. Khaled, il est sous adalimumab que nous avons optimisé. Ben là, on est dans la période, admettons qu'on est toujours dans la période, comme m'a dit, on a entendu tout à l'heure. Avant que vous arriviez, M. Corti, dire « Oh là là, il y a plus de cas de Covid qui arrivent, j'ai dû faire hospitaliser des gens. » Là, en période pandémie Covid, au fait, qu'est-ce que vous faites? Vous allez traiter le clostridium, mais vous faites quoi de la dalimumab? Vous l'arrêtez? Et les corticoïdes, vous en faites quoi, au fait? Pour le soulager sur le plan des symptômes, après avoir traité, s'il est toujours gêné, vous mettez des corticoïdes? Ça, c'est sous presse, hein, ça sort le mois prochain dans Gastro-entérologie. Ça, c'est le nombre de Mickey dans le monde. Alors, le monde, c'est Europe, États-Unis, Brésil. Et c'était ECHO. C'est 500 personnes. C'est 500 personnes, et comme vous le voyez en haut, le critère principal de jugement, c'est si j'ai Mickey, le Covid, c'est sur le risque en fonction des données qui sont à votre gauche, de se retrouver aux soins, d'avoir la ventilation assistée ou de mourir. C'est un score composite.
et on regarde en termes de sexe ratio, de diagnostic, de sévérité de la maladie, de corticoïdes, d'anti-TNF, le tabac, si on est gros, le nombre de comorbidités qu'on a, etc. Waouh! Corticoïdes, odds ratio des corticoïdes, de se retrouver aux soins avec un respirateur ou mort. En période de pandémie mondiale, la corticothérapie qu'on donne de façon classique, c'est un warning. Attention. C'est évident que si c'est juste 2-3 jours, je ne sais pas moi, pour une sinusite non infectieuse, que sais-je, ou quelques jours pour aider les symptômes, pas de problème. Mais comme pour toute infection, les corticoïdes, ce n'est pas bon dans la pandémie actuelle. Les anti-TNF protègent. C'est logique. Le Covid. Lui, ce qu'il va faire, vous attrapez le Covid. Vous toussez, vous avez de la fièvre pendant 48 heures. Après, pour certains d'entre vous, vous êtes guéri, sauf que vous êtes épuisé, mais c'est fini. Sauf que pour certains d'entre nous, au septième jour, il fait produire plein de cytokines qui vont dans les poumons, qui donnent la double pneumonie inflammatoire. Vous avez du mal à respirer, des douleurs, vous êtes hospitalisé, réa, voire pire. Protéines de l'inflammation, cytokines, TNF, anti-TNF. Je n'ai eu aucun cas à Grenoble de patients Covid-19 sous anti-TNF et autres biothérapies. Et nous, au GIETED, alors évidemment, je fais le malin, je ne suis pas à Paris. Je ne suis pas dans le Grand Est. Mais les autres centres du GIETED, c'est entre 0 et 3. Par contre, ce qui est vrai, c'est que plus vous êtes diabétique, déséquilibré, sous insuline, plus vous êtes hypertendu, déséquilibré, plus vous êtes obèse, plus vous avez de comorbidité, ça, ce n'est pas un scoop. Je n'ai pas mis le sex ratio, mais si vous êtes une femme, vous l'attrapez autant qu'un homme, mais comme vous le savez, si vous êtes une femme, c'est moins grave. Bon, donc en tout cas, ce n'est pas le cas, on va dire, puisqu'on est on était en 2017, 2018. Donc vous mettez la banco, là, ça ne va pas mieux. Voilà. Le clostridium a induit une dysbiose et là, il est possible qu'on court après. En attendant, chez Khaled, qui est sous Humira optimisé, un petit peu de corticoïdes, mais ça ne va pas. 7 selles par jour, 50% de sang dans les selles. Il a mal, c'est plus à gauche, c'est maintenant à l'hypogastre, pas de fièvre. La CRP, certes, n'est plus à 25, elle est à 10. Si vous pouvez faire le marqueur fécal de l'inflammation, il est très élevé à plus de 250 largement. Et là, il n'y a plus de clostridium. En plus, malheureusement, Khaled commence à avoir mal au dos. Et ça le gêne beaucoup quand il se lève le matin. Et il commence à avoir un dérouillage matinal qui est d'une heure. Ça ne va pas. Il commence à avoir du mal à aller bosser. Là, on fait le dosage. Hein. Et s'il est, lui, sous adalimumab, les dosages sont bons, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Alors, j'ai une question concernant Khaled. Si on dit que sa première ligne d'anti-TNF, c'est l'anti-TNF sous-cutané, c'est la dalimumab, je veux vous reposer la question. Je veux vous reposer la question. Qu'est-ce que vous faites après le topo de M. Nakmouche? Brillant topo. Vous faites quoi? Vous donnez un autre anti-TNF avec une combo. Vous dites, je change de biothérapie, comme il l'a très bien dit, je swap, ou alors j'étais à l'IBD Day, il y avait une oratrice géniale qui a fait un topo sur toutes les nouvelles molécules, et il y a du tofacitinib, inhibiteur de JAK, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous répondez soit dans votre centre, ce que vous pouvez faire, soit sur le plan théorique, et après on discute. C'est ouvert. Vous avez 20 secondes. Vous vous dites, moi, je fais ce que je peux faire, c'est-à-dire je fais de l'infliximab en combothérapie avec de l'azathioprine, qui est une réponse que j'attendais complètement. Certains d'entre vous, 26% des cas, font du vedolizumab. Et puis, peu de gens font du tofacitinib.
Donc, M. Nakmouche vous a dit, en termes de non-réponses secondaires, le pourcentage à retenir. Retenez quand même qu'en non-réponses primaires, l'induction, jusqu'à 3 mois, 12 semaines, c'est un tiers des gens, ça peut être un tiers des gens dans les essais cliniques, même si les anti-TNF ont révolutionné la conduite. Il vous a montré légalement cet algorithme, malheureusement, algorithme qui n'a jamais été validé dans un essai d'intervention. J'aimerais m'arrêter non pas sur le cas de Khaled, qui est plutôt à gauche, mais sur un cas particulier des Toba avec des anticorps anti-adalimumab ici. Vous vous souvenez, quand je suis venu la première fois vous voir et discuter avec vous avec plaisir, je vous avais dit, vous changez d'anti-TNF, c'est là où ça marche le mieux, en rajoutant un immunosuppresseur. Et puis, il y a des gens qui ont affiné. J'ai un second message de DDW. Vous avez des taux bas et vous avez des taux d'anticorps faibles. Vous dites que l'inflammation, ça peut donner des auto-anticorps. Bah, autant augmenter, autant optimiser, escalader la dose, gonfler. Vous êtes d'accord? Ça, ce n'est pas l'algorithme. Hein. Donc voilà de nouveau une base de données avec des patients qui ont des anticorps contre l'infliximab ou des patients qui risquent d'avoir des anticorps contre l'adalimumab. Alors la ils vont regarder les anticorps. Donc là, vous avez 15 000 malades qui n'ont pas d'anticorps, mais qui sont sous inflix, et vous avez 9 000 malades sous adalimumab. Et la question, c'est les taux de drogue remontent en faisant DE, l'escalade de dose, en optimisant, alors qu'ils ont des anticorps. Ils trouvent que 20%, c'est ce qu'on trouve hein, comme chiffre, hein, de gens sous inflix, ils ont des anticorps, et 4% sous adalimumab ont des anticorps. Bon, très bien. Mais alors, on fait DE, dose escalation, escalade de dose. Qu'est-ce qui se passe? Si vous donnez de l'infliximab et que vous escaladez la dose chez quelqu'un qui a des anticorps, vous pouvez récupérer le malade. Pas chez les gens sous adalimumab, peut-être que c'est juste parce qu'ils n'ont pas suffisamment de malades. Alors, le taux, chaque laboratoire a des taux différents. Mais il va falloir que je me mouille, comme on dit. Un message très important. Le second message très important, c'est que vous êtes en hôpital de jour, vous avez des gens, en tout cas sous infliximab, et votre interne vous appelle, ou votre collègue vous appelle en disant « Ah, le taux, il est un peu bas, il y a des anticorps, à un taux faible. Ben, » vous optimisez l'infliximab. S'il y a des anticorps à un taux fort, vraiment très élevé, et que le taux est nul, ça n'a rien d'optimiser, là je suis d'accord. Et vous changez d'anti-TNF en rajoutant un immunosuppresseur. C'est sympa comme message quand même, et c'est pratique. Mais on n'est pas là, nous. Nous, on est avec Khaled. Il a des taux qui sont même supra-thérapeutiques. Que nous dit la méta-analyse en réseau? Ben, elle nous dit qu'ils n'ont pas regardé les taux. Mais elle nous dit qu'après échec de la première ligne par un anti-TNF-alpha, les deux traitements qui sortent en méta-analyse en réseau sont ustekinumab et tofacitinib. Je sais, monsieur Nakmouche en préambule l'a dit, ce sont des traitements que vous n'avez pas encore à disposition, sauf dans des cas particuliers. Mais il est important, à mon sens, de savoir que pour tout le monde, en méta-analyse en réseau, voilà ce qui sort. Non pas l'adalimumab. On fait comme on peut. D'où les recommandations américaines qui disent qu'ils suggèrent en seconde ligne de faire de l'ustekinumab ou du tofacitinib. Alors après, c'est lequel des deux? C'est toujours la même chose. Essayons d'affiner un petit peu. La décision qui est prise, peut-être en Europe, si à moins que on puisse l'inclure dans l'un des CHU chez vous dans un essai, c'est de mettre du vedolizumab, un anti-intégrine, parce qu'on est en 2018 et qu'on n'a pas les autres. Mais ça ne marche pas. Il s'est passé quelque chose avec le clostridium. Ça rechute. Donc on dit qu'on optimise le vedolizumab, qui normalement est tous les 2 mois, là on passe à tous les mois, mais ça ne va pas.
et il y a des douleurs articulaires. Donc, rebelote, toujours 6 selles par jour, toujours des douleurs. La CRP est négative, mais il y a toujours de l'inflammation dans les selles et toujours des ulcérations. Vous avez fait un infliximab plus Humural dans votre centre, et c'est très bien. Ce n'est pas du vedolizumab, donc il ne va pas bien, vous avez optimisé. Donc vous avez une cartouche adalimumab, vous avez optimisé. Vous avez une cartouche infliximab combo, vous avez optimisé. Vous avez donc deux lignes de traitement, et il ne va pas bien, il ne va pas mieux. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, moi je fais un troisième anti-TNF, est-ce que vous dites, oh là, j'opère? Est-ce que sur le plan théorique, vous dites, je fais du tofacitinib, ustekinumab? Là, ce que j'aimerais savoir, même si vous, on répond 0 à tofa, 0 à ustekinumab, qu'est-ce que vous faites? Je vous laisse répondre. 20 secondes. Allez. Alors. C'est logique comme réponse. En fonction de vos disponibilités, vous êtes en train de vous dire, certes, Khaled, il est peut-être en ambulatoire, mais là, ça commence à être compliqué. Et la moitié d'entre vous dit la chirurgie. Je suis intéressé parce que le troisième anti-TNF, c'est que 10% d'entre vous, et après le reste dit, bah, si j'ai à disponibilité le tofacitinib ou l'ustekinumab, bah, je fais l'un des deux. C'est très intéressant. Alors un troisième anti-TNF, il y a peu d'études. En fait, il n'y en a qu'une qui est rétrospective, où après un échec de deux anti-TNF alpha, c'est Mathieu Allais à Saint-Louis qui avait fait ça. Et ben finalement... Il y a juste 33% des gens qui restent sur le troisième anti-TNF. Donc, je pense que je suis d'accord avec vous. Après, deux lignes de biothérapie, en fonction de la sévérité de la maladie, c'est bien d'en discuter avec le chirurgien de toute façon. Bof pour le troisième anti-TNF. Bof. Cette slide est majeure. Voilà des gens qui sont les pires. C'est Yoram Bounik et quelques centres français qui ont fait du rétrospectif, une dizaine de centres, chez des gens chez qui les anti-TNF, le vedolizumab, ne marchent pas. Rien ne marche. Et donc, à ce moment-là, à l'époque, on dit, on vous opère. Mais les patients, ils ne voulaient pas. C'était très difficile. Enfin, c'est des situations qu'on vit, qu'on a tous vécues. Ils ne veulent pas. Eh bien, on leur propose, en autorisation temporaire d'utilisation, des comprimés. Des comprimés. Alors qu'ils sont en colite sévère, en colite grave, hospitalisés, pas bien, des comprimés. Et on regarde la survie sans colectomie, à gauche, et à droite, sans arrêt de traitement. Vous sauvez les trois quarts des colons des patients avec des comprimés d'inhibiteurs PANJAK à 6 mois. Et ça se maintient quand même de façon sympa à 1 an. Et c'est des colites sévères. C'est des malades terribles parce qu'ils sont sous corticoïdes, ils font des complications infectieuses épouvantables, ils ont des effets indésirables terribles, on n'arrive pas à les sevrer. Ces malades qu'on n'arrive jamais à sevrer, et c'est épouvantable pour les chirurgies après, c'est jamais en un temps, évidemment, ils sont en double stomie. Eh bien, on arrive à sevrer un tiers d'entre eux. Donc, en théorie, chez le malade sévère qui échappe à une ligne d'anti-TNF, d'après la méta-analyse en réseau, le tofacitinib semble avoir pour le futur sa place. Sauf que, on vous l'a dit à l'IBD Day, on vous l'a dit, dans la polyarthrite rhumatoïde et maintenant également dans la rectocolite hémorragique, la dose de tofacitinib peut induire des maladies thromboemboliques. Première remarque, par quel mécanisme? On n'en sait rien. On pensait que c'était par un JAK, on pensait que c'était sur les plaquettes, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai,
c'est que en induction, à 10 mg x 2 par jour, c'est des comprimés de 5 mg, le tofacitinib. Il ne se passe rien. Si vous passez de 10 mg en induction à 5 mg, il ne se passera rien. Le risque, ce n'est pas en induction. Le risque, c'est si vous restez tellement ils sont sévères à 10 mg x 2 par jour, après, au bout d'un certain temps, chez les malades qui ont ces facteurs de risque-là. Contraception. Donc, je suis devenu un grand prescripteur de progestatifs. Pas de zoprogestatifs. Le cardiaque décompensé, ils ont déjà des antécédents thromboemboliques, ils ont des thrombophilies, ils ont le cancer. S'ils ont ces facteurs de risque-là, et que je passe de 10 à 5 fois 2, pas de problème. Encore une fois, c'est la prise prolongée à 10 mg fois 2 qui est à risque. D'où, ça ne doit pas être prescrit chez les malades avec facteurs de risque. Mais des fois, ça ne m'est pas encore arrivé. Puisqu'on se parle très franchement, il y a d'autres médecins du je t'aide, ils n'ont aucune autre alternative. Le traitement marche, et ben ils font des héparines de bas poids moléculaire avec le tofacitinib 10 mg x 2. Je n'ai pas encore eu l'expérience de ça, ça m'arrivera. Sauf que, évidemment, pour nous embêter, on apprend que Khaled, il a fait une phlébite il y a 2 ans, en retour de voyage. Donc là, on est un peu calmé. Et dans certains pays, on a la possibilité de faire de la soucute précédée par une intraveineuse qui s'appelle l'ustekinumab. C'est une autre biothérapie qui ne bloque pas le TNF-alpha, qui bloque une sous-unité commune à 2 cytokines de l'inflammation, l'interleukine 12 et l'interleukine 23. Et en rectocolite hémorragique, on a une très belle publication dans le New England qui nous dit que c'est meilleur que le placebo. Ne soyez pas, bien sûr, déçus par les pourcentages. De nouveau, c'est des critères très stricts pour faire maintenant de la recherche clinique. C'est strictissime. Et donc, c'est des malades horribles, évidemment, chez qui les corticoïdes, les immunosuppresseurs, les premières lignes d'anti-TNF et d'oxymab, ça ne marche pas. Donc, on n'est pas déçus devant ces critères très stringents d'avoir un faible pourcentage. Ce qui est chouette, c'est que malgré tout, à un an, quasiment 50% des gens ne vont pas mieux. Non, ils vont bien. Ils n'ont plus rien. Que vous soyez en échec ou pas de biothérapie, en tout cas dans cette étude. En vraie vie, pour 103 malades du je t'aide, donc quasiment 100% d'entre eux sont en échec d'immunosuppresseurs anti-TNF, vedolizumab. Quand on regarde à 3 mois, fin de la période d'induction, s'ils vont bien, pas ils vont mieux, hein, s'ils vont bien, colonne de droite, voilà, le pourcentage est très sympa chez les gens aussi graves que ça. 40%. Message. Ouais, il y a quand même 2% de colectomie. Hein. Et comme d'habitude, M. Nakmouche a parlé du score maillot, plus le maillot est élevé au départ, bah, plus ça va être difficile. Plus on vous a donné de biothérapie avant, pas de scoop, plus c'est difficile à traiter. Alors j'ai fini. Finalement, qu'est-ce qu'on fait au final? Au final, je pense que comme le premier orateur vous l'a dit, le second aussi, quand les immunosuppresseurs ne marchent pas, on a quand même une première ligne de traitement actuellement. Vous avez vu la méta-analyse. Il y a un anti-TNF hein, qui s'approche du 100%. C'est vraiment les anti-TNF. Les anti-TNF dans les colites graves, c'est l'infliximab. La colite grave, là où il y a le plus de données. Quand il y a des manifestations extra-intestinales, EIM, extra-intestinal manifestation. Douleur articulaire, c'est génial. Ça va vite, un anti-TNF. On le connaît. On peut l'utiliser dans la grossesse. Les biosimilaires arrivent. Xavier Roblin avait fait à Topo la première fois où je suis venu vous voir. Bon. L'infliximab arrive en sous-cutané. Mais ils font plus d'infections. Il faut bien surveiller la peau. L'histoire des lymphomes, plus la maladie inflammatoire dure ou alors plus vous êtes jeune. Puis on est obligé, effectivement, comme a dit M. Nakmouche, de rajouter un immunosuppresseur. On en parlera après, si vous voulez. Quand vous aurez à disposition le vedolizumab, c'est chouette. C'est celui que j'appelle le take care drug.
tout simplement, il a un côté protecteur assez génial. C'est-à-dire que chez des patients fragiles, c'est top. Il a un tropisme que digestif. Donc, il y a moins d'effets indésirables. Il ne donne pas d'anticorps. Ça ne sert à rien de faire une combothérapie. Deux communications à DDW cette année. Pour un cancer, un antécédent de cancer extra-intestinal, bah, il tape que sur le tube digestif, c'est un anti-intégrine. Génial. Mais par contre, on dit que il met un peu plus de temps à agir. Comme il a un tropisme que digestif, qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont des antécédents de cancer digestif? C'est pas trop. Et puis, tout à l'heure, Khaled soulevait de l'isumab, antivio, il avait mal au dos. Bah, il y a 10 à 15% d'effets indésirables rhumatologiques qui apparaissent sous les dolizumab. Le troisième, dont on va bientôt avoir le remboursement en France dans la rectocolite hémorragique, c'est l'ustekinumab ou Stelara. Là aussi, c'est moins. Celui qui, en méta-analyse en réseau, semble être le plus protecteur, le moins d'effets indésirables, c'est le vedolizumab, proche de 1. Le second, c'est ustekinumab. Là aussi, il donne peu ou pas d'anticorps. Il est top pour les effets indésirables comme le psoriasis induit par l'anti-TNF. Ah, c'est vraiment bien. Bon, après, c'est une biothérapie, ça coûte cher. Puis on commence, hein. Peut-être qu'on va découvrir d'autres choses en effets indésirables avec lui. Mais bon, bon feeling. Par contre, pour les formes modérées, donc à sévères dont parlait M. Nakmouche, pour les formes sévères, il y a quelque chose qui est vraiment étonnant, c'est comprimé de tofacitinib. Il agit hyper vite, comme un anti-TNF intraveineux. On le donne par la bouche. Il ne donne pas d'anticorps, il est tout petit. Théoriquement, il coûte moins cher que la grosse biothérapie. Bon, il faut le donner deux fois par jour parce qu'il a une petite demi-vie. Il a quand même le tofacitinib deux désavantages. Les facteurs de risque de maladie thromboembolique, attention, vous ne pouvez pas rester à 10 fois 2 par jour, alors que y a plein de malades sévères qui, après l'induction, on doit les laisser à 10 fois 2. On fait plus d'herpès et de zona, d'où l'arrière-pensée de vaccination qui arrive bientôt. Et on ne sait pas du tout, c'est contre-indiqué actuellement chez l'homme, ce que ça fait dans la grossesse et pour l'allaitement. Donc, on voit que, pour moi comme pour vous, le futur est chouette. Parce qu'on a, au fur et à mesure, des nouveaux traitements qui arrivent, une nouvelle façon de se bagarrer, ce qui a été très bien dit au fur et à mesure devient essentiel. Et je voulais vous remercier énormément, là, c'est Michel Piccoli que j'aimais beaucoup comme acteur. Merci pour votre attention. Merci Monsieur Nicolas Mathieu. Merci Monsieur Nakmouche. Alors, nous avons beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions au niveau du site de la SAGIT et au niveau aussi du site de Zoom. Alors, on va commencer par des questions simples, mais qui sont aussi des questions qui méritent d'être posées. Alors, Monsieur Nakmouche, une question, ils vous disent, un confrère vous dit, les 5 ASA ont-ils toujours leur place dans le traitement d'entretien d'une RCH qui a été bien maîtrisée par le traitement initial? Bien sûr. De toute façon, la réponse est dans la question. Une RCH forme qui est bien maîtrisée par la mésalazine, on maintient le traitement de fond, comme on maintient la mésalazine comme traitement d'entretien en traitement de fond, il n'y a aucun problème. Donc, la réponse est dans la question. La réponse est oui. Comme je vous avais dit, je me permets, Monsieur Nakmouche, Monsieur Corti, comme je vous avais dit dans le topo sur la désescalade thérapeutique, là c'est simple. Les recommandations, c'est qu'il n'y a pas de désescalade. Donc, comme vous l'a dit Monsieur Nakmouche, vous continuez le dérivé du 5-ASA. Donc, et à quelle dose, Monsieur Mathieu? Le dosage des 5-ASA, est-ce qu'on utilise la mésalazine par voie ferreuse seule ou on peut utiliser la mésalazine par voie orale et par voie topique? Écoutez, de toute façon, quand on combine un traitement, c'est toujours pour arriver à une rémission clinique, à une rémission éventuellement endoscopique. Quand on arrive à la rémission endoscopique, à cette rémission, je pense qu'on peut éventuellement, on ne va pas
torturer le malade par un traitement topique pendant des mois, sinon des années. Donc, on maintient un traitement oral à la dose de 2 grammes par jour. Voilà. Merci. Alors, pour Monsieur Mathieu, est-ce que la mésalazine ou les 5-ASA ont-ils toujours leur place dans la prévention des cancers colorectaux au cours de l'ARCH ou chez les Oui, patients qui sont atteints de RCH? vous m'avez déjà posé la question à mon premier passage chez vous. Je vous remercie pour m'avoir reposé la question parce que pour moi, je disais il y a quelques années que c'était absolument essentiel. Comme vous le savez, maintenant que j'ai accès aux biothérapies, que je sais que l'inflammation, laisser une inflammation qui est la théorie du traitement de la cible, laisser une cible inflammatoire, c'est pas bon. C'est pas bon, là aussi, comme vous l'a dit Monsieur Nakmouche, pour plein de raisons, pour une raison cancer, c'est pas bon pour l'athérosclérose. Donc le patient jeune peut faire un AVC. C'est pas bon, là aussi, un état inflammatoire pour la maladie thromboembolique en elle-même dans les colites graves. Et donc, les traitements qu'on a à disposition pour traiter une cible, comme les biothérapies anti-TNF, font disparaître, ou du moins on s'acharne à ça, si notre cible c'est faire cicatriser, font disparaître le risque de dégénérescence. Donc, au feeling, je vous aurais dit, bah, j'ai laissé tomber les dérivés du 5-ASA. Il y a quand même les Américains, Ungaro, de l'équipe de Jean-Frédéric Colombel, à New York, au Bethesda, qui se sont posé la question, qui ont fait une étude. Et donc, vous avez un bras qui va être. Bah, je continue le 5-ASA avec mon anti-TNF. Et un bras, bah, j'arrête le 5-ASA. D'abord, la première question, c'était est-ce que le fait d'arrêter le 5-ASA, ils vont être plus en poussée? Non, ce n'est pas le cas. J'ai un petit commentaire. Ça dépend aussi de la façon dont vous l'amenez au patient. Parce que son traitement, il est très attaché à son 5-ASA. Il l'a peut-être depuis des années et vous l'arrêtez. Donc, si vous lui dites, oui, on arrête le truc comme ça s'appelle l'anticipation négative et l'effet nocebo. Il ne va pas être empoussé, hein, mais il va flipper. Il va avoir de la diarrhée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la littérature nous dit, non, pas de problème. Et en termes de prévention de cancer, bah oui, le fait d'avoir un anti-TNF, c'est sûr que. En faisant cicatriser mieux que du 5-ASA. Donc, pour répondre à votre excellente question, je réponds de nouveau la même chose. Il y a un biais, hein. Moi, j'en mets plus parce que les gens que je vois, ils sont tous sous biothérapie. Mais donc, je n'en fais plus parce que je fais des biothérapies pour Merci traiter ma cible. pour... C'est une très bonne question. Oui, merci pour votre réponse qui était claire. Alors, dans notre contexte, Monsieur Lecmouche, il y a plusieurs confrères qui demandent est-ce qu'on fait toujours, devant la non-réponse au traitement, est-ce qu'on fait toujours une recherche systématique en plus du Clostridium difficile, de l'Histolytica histolytica, de l'amibiase, qui est de façon endémique, qui sévit de façon endémique chez nous? Est-ce que vous le faites? Est-ce qu'on le fait? Est-ce que vous le recommandez? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je vais apprendre des choses là, par contre, moi. Oui, non, mais avant de répondre à cette question, je voudrais juste faire un complément à Monsieur Mathieu, pour la réponse de Monsieur Mathieu, concernant les malades qui sont sous anti-TNF. C'est vrai que c'est pas le même contexte parce que nous, en Europe, vous êtes plus biothérapie actuellement, alors que nous, biothérapie, oui, mais il y a encore les autres thérapeutiques continuent à être utilisées. Je pense que chez nous, je m'adresse à nos collègues algériens, que chez nous, un malade qui est en rémission sous anti-TNF, il n'est pas utile de mettre de la mésalazine. Donc, ça ne sert absolument à rien de continuer de la mésalazine. Donc, un malade qui est en rémission sous anti-TNF, je pense qu'il faut arrêter parce que j'ai vu quelques cas de malades sous anti-TNF et mésalazine en même temps. Ça ne sert absolument à rien d'associer les deux. Non. Voilà. En ce qui concerne, ta question encore, concernant l'infection, bien sûr, on est dans un pays où il y a une forte, je dirais, un fort risque
d'infections parasitaires, l'amibiase est une surinfection qui est importante. Et là, il y a un travail qui a été rapporté que nous avons fait à Alger. Nous avons retrouvé quand même que 45% des RCH, des colites ulcéreuses, avaient une surinfection amibienne. Et donc, 45%. 45%, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a cette forte fréquence de la surinfection amibienne. Et donc, nous avons suggéré à l'époque de traiter systématiquement dès qu'il y a une poussée de RCH. D'ailleurs, tous les collègues le font. On donne un traitement anti-amibien, on donne du flagyl. Et là, c'est devenu comme un réflexe. Dès qu'il y a une symptomatologie, un malade qui a une RCH, on donne du flagyl. Alors, concernant le reste des infections, bien sûr qu'il faut éliminer devant toute récidive. Je ne parle pas des colites aiguës inaugurales où il faut bien sûr absolument éliminer une cause infectieuse qui est quand même à laquelle il faut penser avant de poser le diagnostic de colite inflammatoire. Bien sûr qu'il faut, dans ce cas, il faut absolument éliminer une cause infectieuse. Mais chez les malades qui sont connus comme porteurs de colite inflammatoire, de Mickey, et qui font une nouvelle poussée de leur symptomatologie, il faut bien sûr, on essaiera à chaque fois d'éliminer, de rechercher cette infection, qu'elle soit virale, bactérienne ou parasitaire, par les examens dont nous disposons, la coprologie, la parasitologie des selles, les biopsies à la recherche d'inclusion virale, etc. Nous ne disposons pas malheureusement de deux choses. Du moins la PCR concernant le cytomegalovirus et concernant l'antigène, concernant le Clostridium difficile, ça ne se fait pas couramment, ça se faisait à un certain moment. Actuellement, je pense qu'on ne peut pas faire ce type d'examen. Mais les malades peuvent éventuellement être traités de façon systématique par du flagyl, par du métronidazole. Voilà. Oui, c'est ce qu'on fait en vie réelle. Hein. En vie réelle, on commence toujours par une antibiothérapie contre l'amibiase et on entame notre traitement. Alors, une question pour vous, monsieur Mathieu. Alors, un confrère vous dit, puisque vous parlez du tofacitinib qui est très efficace, alors pourquoi s'acharner avec ces traitements médicamenteux alors que leurs effets secondaires, sachant qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires, et que la chirurgie permet d'obtenir une guérison complète. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant cette question, monsieur Martin? C'est une excellente question. Merci beaucoup pour cette question. C'est faux. C'est faux. En fait, c'est ça le problème. J'aimerais bien vous dire ce que je disais quand j'étais chef de clinique. Vous posez une excellente question. Je disais à mes patients, et c'est une erreur grave, je vous opère, vous êtes guéri. Une catastrophe. Une catastrophe. Laurent Perrin-Biroulet, en 2016, dans Alimentary Therapeutics Pharmacology, a montré qu'en termes de complications à court et moyen terme, sur toute sa base de données de malades, il y avait. Alors, complications à court terme, c'est moins de 30 jours. Long terme, c'est plus de 30 jours. Ben, il n'y a pas zéro complication. C'est-à-dire que, évidemment, vous avez 20% des gens qui font des complications à court terme. Logique, hein. Ils sont sous corticoïdes, ils sont dénutris, ils sont tellement mal qu'ils font des lâchages, de sutures, enfin, ils font des abcès, des complications. Bon, okay. Mais sur le long terme, tout type de complications, c'est 39%. Et dans ce tout type de complications, 39%, vous avez 29%. 29% de pouchite d'anastomose iléo-anale dont le réservoir est enflammé. Parce que en faisant le J, vous dites, ben voilà, pourquoi faire ces traitements? Vous êtes débarrassé. Non. Vous créez une nouvelle écologie bactérienne. Vous créez une nouvelle dysbiose. Et donc, les malades à qui vous dites, ben c'est fini, je vous opère, vous êtes guéri. Gardez en tête que 30% d'entre eux, ce ne sera pas vrai.
si on décompose ce type de malade-là, en fait, la moitié d'entre eux, dans l'année, ils vont faire une fouchite aiguë. La fouchite aiguë, ça se traite bien par antibiotiques, tant mieux. Quand on fait plus de 3 fouchites aiguës dans l'année, on change le curseur et on peut développer ce qui s'appelle la fouchite chronique. Et là, on revient exactement à la même chose. Les anti-TNF, bon, les corticoïdes, les anti-TNF, le vedolizumab, l'ustekinumab. Et il y a un cas clinique par des Japonais qui vient d'être publié dans Clinical Gastroentérology sur le tofacitinib dans les fouchites. Donc, je suis d'accord avec vous. La chirurgie dans les poussées sévères, et c'est ce que disait M. Nakmouche, c'est pas un pourcent, c'est un pourcentage qu'il faut garder en tête. Je dis juste que, avec des comprimés, chez un malade qui est conditionné, qui est renutri, qu'on retape, avec des comprimés chez des malades chez qui les anti-TNF et un anti-intégrine ne marchaient pas, dans des poussées sévères, vous empêchez la chirurgie dans 70% des cas. Après, c'est toujours la même chose, c'est une question effectivement de malade. Si vous transfusez tous les jours 5 kilos globulaires, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas un gentil comprimé ou un gentil anti-TNF qui va régler le problème. Tout est question après de stratification, bien sûr, c'est une très bonne question. Méfiance. Et de stratification, oui. Et de disponibilité aussi du médicament. On est d'accord. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que là, je vous parlais de théorie pour le moment. Hein, je suis d'accord. Alors, une question qui est simple, qui paraît simple, mais qui est très pratique et ça permet une meilleure adhésion au traitement pour les malades. Monsieur Nakmouche, un de nos confrères vous demande, alors, combien est-ce qu'il faut répartir la dose des 5 azas durant la journée? Est-ce qu'il faut les prendre en une seule fois? Quel est votre avis pour nos deux experts? Et est-ce qu'il y a des études qui prouvent qu'une seule prise ou deux ou trois prises? Oui, bon, enfin, je pense que bon, il vaut mieux répartir la prise que donner une seule prise, surtout quand dans la forme en période aiguë, dans la phase, dans le traitement, en traitement d'attaque, quand on donne 4 grammes par jour. Donc, c'est déjà 8 comprimés. Donc, la dose, elle est répartie. En traitement d'entretien, la dose aussi doit être répartie. Le traitement d'entretien, c'est la demi-dose, disons 2 grammes par jour. On peut parfois donner 3 grammes aussi par jour. La dose est répartie durant la journée. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez un autre avis, monsieur Mathieu? Parce que, moi, sincèrement, pour mes malades, moi, je recommande une seule prise, je ne sais pas. Mais j'ai vu qu'il y a une meilleure adhésion au traitement. Je ne sais pas. Ça a été testé. Et les deux stratégies sont aussi efficaces. Donc, ça dépend où est la moitié du verre. C'est-à-dire, si ça dépend de votre malade, en fait. Ça dépend de l'adhésion thérapeutique. Si vous pensez que ça va être compliqué pour lui de prendre tout le traitement de façon échelonnée, vous donnez tout en une prise. Si vous pensez qu'il va prendre mieux matin, midi et soir, la littérature, avec plusieurs publications, communication orale, nous a montré que c'était aussi efficace d'un côté que de l'autre. Donc, ça dépend de votre malade. Et des associations. Oui. Il y a aussi un confrère qui vous demande, est-ce que la combothérapie est faite seulement pour l'azathioprine et l'infliximab, ou on peut l'associer aussi à l'ADA? Et est-ce que c'est aussi efficace? C'est à moi que tu poses la question, hein, monsieur Mathieu. Bon, pour les deux, hein. Allez, monsieur Nakmouche, je vous laisse répondre en premier. Oui, bon. Non, c'est vrai que, c'est vrai, au début, on pensait que l'avènement d'un anti-TNF humanisé à 100%, on pensait qu'il n'y avait pas de développement d'anticorps, antidrogue. Mais en réalité, on s'est trompé parce que même avec l'adalimumab, il y avait développement d'anticorps, antidrogue. Et donc, actuellement, je pense qu'il est préconisé, c'est l'association, une combothérapie pour les deux anti-TNF, infliximab et adalimumab. Voilà. Alors, c'est ma réponse. Je ne sais pas s'il y a un complément de M. Mathieu. Voilà. Le complément, on en a parlé à ma première venue à la SAGI. Le complément vient de l'essai anglais PANTS, P-A-N-T-S, chez les gens chez qui on met un anti-TNF alpha.
et on montre très bien que pour commencer infliximab combothérapie versus infliximab sans combothérapie, il y a un delta terrible, il y a une différence significative en termes de disimmunité et de perte d'efficacité, que ce soit en induction ou en maintenance. Et ça, on le savait déjà. Ce que montre Burns, c'est que, comme vous l'a dit M. Nakmouche, en induction, adalimumab plus combo versus adalimumab mono, au début de l'histoire, il y a vraiment une différence qu'on perd en entretien. Donc, je me permettrai de tempérer et de dire que moi, oui, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, en induction, je fais les deux. Et après, le temps passant, en traitement de fond, de maintenance, quand j'ai atteint mon goal, mon objectif, ma cible, je vais arrêter la combothérapie et continuer en monothérapie. Ce qu'il faut, c'est que si on croit au taux, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait des taux bons. Plus le taux baisse, plus vous pouvez faire d'anticorps. C'est un peu comme un vaccin, quoi, quelque part. Merci. Alors, il y a une autre question concernant la calprotectine. A-t-elle sa place dans la surveillance au cours de la RCH en post-colite sévère? Monsieur Mathieu. Je ne sais pas si vous voulez répondre, moi, comme vous voulez. Comme vous voulez. Moi, je peux donner une réponse quand même pratique parce que je pense qu'il faut faire la différence entre une colite grave et une colite modérée. Ce n'est pas la même chose. C'est pas, je dirais que ce n'est pas le même suivi, ce n'est pas la même approche thérapeutique. Dans les colites graves, une colite grave, si on n'arrive pas à maintenir, à arriver à une rémission clinique, endoscopique, et pourquoi pas plus histologique, à ce moment-là, si le malade est toujours symptomatique, avec des lésions sévères, endoscopiques, le problème ne se pose pas. C'est des malades qu'il faut éventuellement penser à autre chose, pourquoi pas. Et tout le monde le dit, il ne faut pas sauver le colon, il faut sauver le malade. Donc voilà. Concernant les colites modérées, le problème est différent. La calprotectine fécale peut éventuellement faire partie de la stratégie de suivi de la prise en charge thérapeutique d'une colite modérée. Voilà. Même si les recommandations STRIDE ne recommandent pas de faire un suivi par la calprotectine fécale. Voilà. Donc, je pense que le suivi peut éventuellement être clinique, il peut aussi il est aussi endoscopique. Et que la calprotectine fécale dans les formes modérées, n'a pas vraiment une place importante. Dans les formes modérées. Voilà. D'accord. Et la surveillance, le rythme de surveillance, on sait que le rechute est à partir de 6 mois. On l'a dit, il est clinique, il est endoscopique. Il faut réaliser une endoscopie au moins tous les 6 mois, disons 3 à 6 mois après le début du traitement. Et éventuellement, pourquoi ne pas refaire une endoscopie, faire une endoscopie, une sigmoïdoscopie tous les 6 mois. Voilà. Oui, c'est plus pratique chez nous. Donc, on sait que la rechute, c'est surtout entre 6 et 12 mois. Chez nous, c'est plus pratique de faire une endoscopie que de demander une calprotectine. Quand même, je ne sais pas l'avis de M. Mathieu, si vous pouvez nous donner. Non, mais on en avait discuté. Pour vous, c'est plus pratique. Du point de vue de la littérature, il y a un essai extraordinaire dans la maladie de Crohn dont on avait parlé, qui est l'essai calme, qui montre que la surveillance des biomarqueurs fait mieux que la surveillance clinique pour atteindre la cible. Il n'y a pas encore d'équivalent de l'essai calme dans la rectocolite hémorragique. Il est vrai que beaucoup de centres du GTED dont je fais partie ont utilisé maintenant, si c'est disponible, la calprotectine fécale pour le suivi tous les 2 à 3 mois de façon préemptive. Mais encore une fois, si vous le faites et que c'est positif, il ne faut pas l'ignorer. Il faut décider de bouger pour atteindre votre cible. Si vous n'en avez pas la disponibilité, voilà, les recommandations STRIDE, M. Nakmouche, qui vont bientôt changer et implémenter la calprotectine, nous disent pour le moment que
le plus important, c'est les Pro2 et la rectosigmoïdoscopie, ça va très bien. Les choses sont appelées à être Stride, c'était 2015, donc ça va bientôt être réactualisé. Non, on est d'accord concernant la maladie de Crohn, je suis vraiment d'accord avec vous concernant le suivi par ce qu'on appelle le suivi par la calprotectine, mais pour la RCH, mes connaissances actuelles, la calprotectine n'a pas vraiment de place, n'a pas une place importante, voilà. Dans la surveillance, même en vie réelle. Alors, question pour M. Mathieu, qu'en est-il ou y a-t-il toujours une place pour le méthotrexate et la cyclosporine pour les formes, dans les formes colites sévères? C'est une excellente question. Alors, je faisais avant du méthotrexate en monothérapie pour les formes modérées à sévères et j'ai été particulièrement calmé par un essai espagnol et l'essai français Météor du Jeuted qui ont montré que, en monothérapie, le méthotrexate versus placebo, dans une très belle étude, le placebo faisait aussi bien que le méthotrexate. Donc, je ne fais plus de méthotrexate en monothérapie. Par contre, je vous l'ai dit, je fais des combothérapies. L'Imurel, moi, je suis un petit peu comme d'autres médecins français miquistes du GTED. Je trouve qu'il peut donner pas mal d'effets indésirables. Peut-être que je n'ai pas eu de chance. Et je vois que je donne du méthotrexate oral en monothérapie, un comprimé par semaine avec deux comprimés de folate. Et voilà. Les patients, ils sont en poussée, ils ne vont pas bien, ils n'ont pas envie tout de suite de faire, elles ont pas, ou ils n'ont pas envie tout de suite de faire des bébés. Donc le méthotrexate revient en France en combothérapie. C'est vraiment ineffable. La cyclosporine, alors c'est une excellente question. Parce que ça dépend si votre équipe sait la gérer. C'est du pousse-seringue, hein, donc il faut savoir le brancher. Il faut que les infirmières, elles connaissent tout ça, hein. La façon de faire le truc. Parce que nous, en France, ça s'est perdu. De moins en moins de centres du Jeuted font la cyclosporine, puisqu'il y a un essai qui s'appelle Sisyphe, de David Lahari, qui est dans les RCH sévères. Il a comparé cyclo et infliximab. La même chose. En termes de colectomie, ce n'est pas de différence significative. En termes de nombre de réinterventions, sous cyclosporine, il y avait plus de réinterventions que de nouveaux traitements que dans le bras infliximab. Ce qui est logique, parce que là, à l'époque, c'était infliximab, vous continuez, et c'était cyclo, puis après, vous faites néoral, puis après, vous faites imurel. Donc, vous retrouvez imurel et infliximab. Donc, il y a eu plus de réinterventions, mais pour sauver le côlon en induction, c'était kiff. Et de là, beaucoup de centres du GTED et d'autres centres ont dit, je ne vais pas m'embêter, hein. Faire de l'infliximab, moi, dans les colites graves, comme je vous disais tout à l'heure. Et pourtant, j'en fais. Et pourtant, j'en fais encore pour une situation qui m'a beaucoup marqué. C'était à Chicago. L'équipe des gens de Chicago ont montré cyclo-vedolizumab. Donc, vous faites un traitement. Donc, vous avez quelqu'un en colite grave. Il ne va pas bien. Vous faites de la cyclosporine, comme d'habitude, 7 à 10 jours. Le malade va bien. Vous faites un relais par néoral de 3 mois et vous commencez le vedolizumab. Eh bien, vous arrivez à 6 mois, dans cette étude-là, vous arrivez à sauver des colons. Donc, c'est toujours bon à savoir. La phrase qu'il faut sauver le patient, et ça me plaît beaucoup, M. Nakmouche, là, c'était le critère principal, c'était la colectomie. Donc, à Grenoble, chez des gens qui seraient hyper fragiles pour bénéficier d'un anti-TNF-alpha, je fais donc une ligne qui peut être cyclosporine suivie du vedolizumab. J'entends bien que par rapport à ce que vous avez à disposition, c'est un cas particulier. Et donc, si on se rebase sur vous, votre expérience, je peux comprendre que faire cyclosporine imurel par rapport à je fais mon infliximab, il y a un choix qui peut être plus simple. Du point de vue de l'Europe et des États-Unis, certaines équipes ont dans la colite grave une ligne cyclovédo. Et vous, monsieur Mecmouche, dans votre pratique quotidienne, vous faites toujours la cyclosporine?
Non, on n'a pas l'expérience à Alger, on n'a pas l'expérience de la cyclosporine. Mais je voudrais revenir sur le méthotrexate en traitement d'entretien. Il y a l'essai Mérite qui n'a pas montré de supériorité concernant la RCH, n'a pas montré de supériorité du méthotrexate par rapport au placebo. Le méthotrexate, je pense que il est, je peux pas dire qu'il n'est pas efficace, mais il vaut mieux utiliser de l'azathioprine que du méthotrexate dans la RCH. Voilà. Merci, Monsieur Nakmouche. Alors, il y a une question quand même très intéressante que je trouve. Alors, est-ce que les prébiotiques et les probiotiques ont-ils une place dans la prise en charge actuelle de la rhinocolite ulcéro-hémorragique? Question qui mérite d'être posée. C'est une super question. Oui, allez-y, Alors, Monsieur Mathieu. Donc, il y a eu beaucoup de discussions sur ça, puisque nos patients, pendant qu'on est en train de discuter d'immunosuppresseurs et de biothérapie, eux, ils cherchent du sens à tout ça, et ils cherchent aussi de leur côté des solutions, qui peuvent être des plantes, qui peuvent être de la curcumine, qui peuvent être de la spiruline, mais qui peuvent être aussi des cocktails de bactéries comme les probiotiques. Ce que nous savons actuellement, j'en profite pour parler rapidement de la maladie de Crohn, c'est qu'en l'état actuel des connaissances, pour l'instant, aucun pré ni probiotique n'a montré son efficacité pour traiter une poussée de maladie de Crohn. Donc, si votre patient, il cherche du sens à tout ça ne marchera pas, mais j'ai rien contre, du moment qu'il prenne le traitement de l'inflammation. Si pour des raisons autres de ballonnement, de syndrome de l'intestin irritable qui peut apparaître en cours de prise en charge dans 30 à 40% des cas, j'ai rien contre. Quand je ne connais pas le probiotique ou la phytothérapie, je demande à ma pharmacienne de se renseigner pour qu'il y ait pas, je sois sûr qu'il n'y ait pas d'effet indésirable. Pour la rhinocolite hémorragique, les recommandations mondiales disent que là, par contre, il y a un probiotique en induction et un probiotique en entretien qui auraient montré leur intérêt dans les formes, même pas modérées, certainement pas sévères, mais minimes de rhinocolite hémorragique. Le VSL3, VSL3 en sachet, cocktail de bactéries probiotiques, a montré son intérêt sans différence significative par rapport à un dérivé du 5-ASA. Il n'est pas plus efficace. Donc, si vous avez un excellent dérivé du 5-ASA, je veux dire, quel intérêt de donner du VSL3? Ce serait donc dans les cas d'intolérance à un 5-ASA, qui ne sont pas non plus 90% des malades, où vous n'avez pas envie d'escalader parce que ça ne vaut pas la peine d'escalader. Dans une stratégie où il faut aller très vite pour atteindre une cible. Donc, c'est un cas particulier. En induction, ça ne marche pas en entretien. En entretien, le probiotique qui montre son intérêt en étant aussi efficace que le 5-ASA, c'est le colinisol. E-colinisol, qui en Suisse, en Italie, s'appelle Mutaflor. Là aussi, c'est des sachets. Donc, vous voyez, c'est des cas particuliers de gens chez qui c'est aussi efficace qu'un 5-ASA. 5-ASA, génial chez ce profil de malade-là. Donc, quel intérêt dans la rhinocolite hémorragique de donner ce profil de probiotique-là, à moins qu'il ne tolère pas le 5-ASA? Donc, pour répondre à votre excellente question, aucun intérêt dans la maladie de Crohn. Intérêt très faible dans la rhinocolite hémorragique, hormis cas très particuliers. Néanmoins, je pense que les malades, même si on leur dit ça, ils vont aller. S'ils ont besoin, pour le côté feel good, d'aller, en tout cas nous en France, en parapharmacie, prendre des probiotiques, ils vont aller prendre des probiotiques. Tout ce que je veux, c'est savoir lequel pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, d'effets indésirables que je ne connaîtrais pas. C'est Merci. une excellente question. Merci. Alors, nous avons une question quand même de malades qui veulent se rassurer Très bien. et qui est une question d'actualité. Biothérapie
et COVID. Est-ce qu'on est assuré, rassuré, oui ou non? C'est une question de patient. Totalement rassuré. Totalement rassuré. Ils peuvent continuer. Là, vraiment, si vous voulez, c'est une excellente question. Ça a été ma croisade pendant 2 mois et demi, 3 mois, c'est d'appeler mes 1000 malades pour qu'ils n'arrêtent pas leur traitement. Je vous rappelle qu'à Saint-Antoine et dans certains hôpitaux très spécialisés parisiens, alors que nous, en cours, avec M. Nakmouche, on dit que la péritonite n'existe pas dans la maladie de Crohn en 2020. La péritonite est revenue à l'arrêt des traitements. J'ai des malades chauds patates, vous voyez, sous traitement intraveineux, on n'a pas envie d'arrêter. Les malades, ils ont peur du Covid, ils resteraient chez eux, ils ne vont pas en hôpital le jour, hein, où ils arrêtent la dalimumab. Et ben, les péritonites sont revenus dans certains endroits en France avec l'arrêt des biothérapies. Donc, ce qu'on a actuellement, c'est que, bon, moi j'en ai eu aucun, mais les gens qui ont fait du Covid sous biothérapie, ce n'était pas du Covid grave. Voilà, pour faire court. Il y a ce côté protecteur de l'orage inflammatoire. Merci. Donc, on rassure nos confrères tout d'abord et on rassure aussi nos malades. Et il faut continuer la biothérapie, et il faut qu'ils continuent leur traitement. Alors, je crois que nous avons fait le tour des questions qui ont été posées. Donc, on remercie M. Mathieu, on remercie M. Nekmouche. Et je laisse la parole à M. Nekmouche pour clore, je sais pas. Oui, merci Corti, merci Monsieur Mathieu, ça a été un plaisir de vous entendre et de vous voir aussi, parce que on vous entend et on vous voit, c'est ça l'avantage de la visioconférence. Ça a été très instructif, très intéressant, je pense que nous avons passé un moment agréable. J'espère qu'on a été à la hauteur des attentes des collègues et aussi du laboratoire. Et bien sûr, je profite pour remercier les laboratoires Frater Asiès de nous avoir permis de nous réunir. Voilà. Merci encore une fois, M. Mathieu, et merci Corti, et merci Yasser, et merci à Balahim, le technicien, qui sans lui, je pense que on aurait eu des problèmes techniques. Voilà. Merci à tous. Monsieur Mathieu, un mot pour la fin. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Mais ça, vous le savez maintenant. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Prenez bien soin de vous. La phrase « prenez bien soin de vous » revêt, à mon sens, une importance majeure, même si on l'utilise tout le temps, n'importe comment. Mais sincèrement, hein. À bientôt. Merci. Merci à tout le monde. On remercie les laboratoires Frater Asiès et on n'oublie pas que ce webinaire était sous l'égide de la Société algérienne des pathogastro-entérologies et d'endoscopie digestive.